Il n'y a pas de partie faible. There's no feeble parts. Et les grandes parties fortes du sang. Or some parts. La moindre petite parcelle de Dieu est omnipotente. Small part of God is omnipotent. Voyez-vous? See? La moindre petite parcelle de Dieu alors. The small part of God. C'est-à-dire que si Dieu est omnipotent, I mean, if God is omnipotent, nous aussi nous sommes omnipotents. We also. Yes. Si Dieu est omniprésent, if God is omnipresent, nous sommes aussi omniprésents. Faites la Bible que Dieu n'est pas omniprésent dans le sens où les gens disent que Dieu c'est comme un vent, il est partout. But I'm not saying God is not omnipresent and people think it's like a wind everywhere. Dieu est omnipotent dans son omniscience. God is omnipotent in his omniscience. Parce qu'il connaît tout. Because he knows everything. C'est ça qui le rend omniprésent. That's what makes him omnipresent. C'est pourquoi nous, dans notre âme, because us in our soul, nous sommes des omnipotents. We are omnipotent. Nous sommes des omniscients. We are omniscient. Et des omniprésents. And omnipresent. Amen. Parce qu'en ce moment même, because in that moment, je suis déjà en Israël. I'm already in Israel. En ce moment même, this moment, je suis au Congo. I'm in Congo. Amen. Même la science l'a prouvé. La science l'a prouvé. Vous prenez, vous faites la conférence. You do the conference. Vous prenez quelqu'un qui est au Congo. Quelqu'un qui est au Japon. Quelqu'un qui est en Côte d'Ivoire. Et aux États-Unis. Vous faites une conférence. Et vous êtes en train de parler. Donc en même temps tu es en Côte d'Ivoire. En même temps tu es en Australie. En même temps tu es au Japon, tu es partout. Ça c'est la science qui a proposé. Mais dans l'âme, l'homme est omniprésent. Oh, on me dira que maintenant, si tu es omniscient, pourquoi tu ne connais pas tout? They will tell me if you are omniscient, why don't you know everything? Jésus, on m'avait demandé. Jesus asked you. C'est quel est le jour de ta venue? When is the day of the day? Il dit, alors moi je ne sais pas. Mais le Père seul connaît. Amen. Amen. Mais il était un autre même. Je vais clôturer ici. Le fait de c'est notre position Christ. Il dit, maintenant dans le sens spirituel. Now in the spiritual sense. Après que nous sommes nés en Christ. After we are born in Christ, nous sommes devenus des enfants de Dieu. We become the children. Mais alors observez. Now, Dieu en sait davantage. God knew in advance. Mais c'est ici que je dis avec respect que je ne suis pas d'accord avec mes frères de la dernière couvée. This is where I say with respect that I'm not in accord with my brothers. Il dit, pensez-vous que je suis en train de persécuter l'Église? Do you think I'm going to persecute the church? Il dit, non, mon frère. No, maintenant, ces garçons, après qu'il atteint un certain âge, now, this child, after reaching a certain age, il devait être adopté. He had to be adopted. Dans la famille même où il était né. In the same family that he was born in. Tout ministre sait que c'est le placement du fils. Every minister knows that that's the placement of him. Il devait être adopté dans la famille où il était né. He has to be adopted in the family that. Vous pouvez imaginer cela. Imagine that. Mais c'est l'enseignement de l'Ancien Testament. The teaching of the Old Testament. C'est à cela que Paul se réfère ici dans l'Éphèse. That's why Paul is referring himself. Donc quand on adopte un enfant, when you adopt a child, on le place. Ça veut dire le pouvoir du père. The power. Et devenir le pouvoir du fils. C'est-à-dire que ceci devait avoir lieu à l'accomplissement du temps. This exploit is taking place in the fulfillment of. Le fait maintenant continue. Tout celui qui donne comme possession sera comme tel. Dieu a adopté son propre fils de cette manière. God has adopted his child in the same way. Jésus marchait comme un homme ordinaire. Jesus was walking as a normal man. Mais un jour sur la montagne de la transfiguration. One day in the mountain of transfiguration. Il prit trois personnes comme tel. Three people as a witness. Pierre, Jacques et Jean. Peter, James and John. L'espérance, la foi et l'amour. Experience, fear. Il les appela à l'écart. Il sépara Jésus d'eux. He separated Jesus from them. Et les couvrit d'une main nouée. And covered him. Et la Bible dit son vêtement de son c'est comme le soleil dans sa force. And the Bible says his clothes was
shining like the sun. Il dit cette grande dispensation, c'est Dieu qui a doté son propre fils. See, this special grace is that God adopted. C'est-à-dire, c'était la nouveauté des saints. Et Dieu a adopté son fils Jésus. C'est-à-dire que pas la nouvelle des saints. C'est Dieu qui adopte de nouveau ses enfants. Jesus, God adopting. Et il nous redonne la même puissance qu'il a. And give us the same power that he has. Amen. Et il fait Moïse et Élie apparaître ainsi de suite. And so Elijah and Moses appear. Il dit on le montre et il ne veut que Jésus. And show them the only see Jesus. Et quand il s'est alors retourné, Dieu le Père, après avoir revêtu son fils d'une robe, God the Father, after dressing his child with a robe, dit, celui-ci est mon fils bien-aimé, écoutez. He says, this is my child, my beloved child, listen to him. Amen. Il dit, ce n'est pas étonné que Jésus pouvait dire, tout pouvoir m'a été donné. That's not surprising, Jesus could say, all power is given unto me. Amen. Si à la naissance de l'animal, le pouvoir a été donné à Jésus. If in the car of the cloud, the power was given to Jesus. C'est-à-dire qu'à nous aussi, à la naissance de l'animal, le pouvoir nous a été donné. That means he with us the power. Il dit, en effet, il était adopté par son père dans le glorieux royaume de Dieu. He said he was adopted by his father. Amen. Dans le glorieux royaume de Dieu. Donc la naissance de l'animal exprime la venue du royaume. Il dit, maintenant, il est assis à la droite de la majesté au-dessus de tous les anges. Au-dessus de tous les anges et des archanges, de toute étoile, de la lune ou de tout nom qui se nomme au ciel. Cela est soumis au nom de Jésus-Christ. Car il est adopté par le Père. Maintenant, dans son Église, vous qui êtes positionnellement assis dans le lieu céleste par Jésus-Christ, soyez humble, frère. Be humble. Un jour, le Saint-Esprit vous parlera. One day, the Holy Spirit will speak to you. Il vous appellera à l'écart quelque part dans une petite cabane sur la flanque d'une colline. He will call you aside in a small cabin. Ou dans la salle de bain quelque part. Maybe in a bathroom somewhere. Et là, il vous joindra pour un certain service, pour une certaine chose à faire. Hey, I want you for a certain service. Ce ne sera pas la position des mains des presbytères ou des anciens. He said, it won't be a laying of hand of the. Il dit, ce sera la position de main du Dieu Tout-Puissant. It will be the hand, the healing of hand of God. Lui-même qui placera en vous un ministère. Himself will place in you a ministry. Qui vous revêtira d'une nouvelle robe et vous exposera comme un exemple. Which will make you dress a new robe. Rappelez-vous, la robe c'était la nuée. Remember, the robe is a car. Amen. Et tous les démons, every demon, loin de vous tourmenter, far away are you, ne vous dérangeront jamais. They will never disturb you. Et oh Dieu, accorde à mes frères que nous recevions chacun des bénédictions. Oh God, give your soul to receive every blessing. La partie jaune, j'arrête par là. Il dit, mes frères, my brothers, nous attendons les manifestations des fils de Dieu. We are waiting for the manifestation of the children of God. Qui vont revenir, which will come, reprendre le pouvoir. Take the power. Ça, c'est avant la descente de la terre. The coming, before the coming of the. Il dit, nous attendons la plénitude du temps. So we are waiting for the fullness of time. Au temps des Juifs, the time of the Jews, Paul dit à la plénitude du temps, Paul say in the fullness of time, c'est là que l'enfant a reconnu sa position. That's where the child recognizes his position. Mais l'enfant m'a dit, now, nous attendons la plénitude du temps. We are waiting for the fullness of time. Quand? When? Quand la pyramide arrivera à son sommet. When the, Amen. The pyramid gets to the top. Quand les fils de Dieu seront pleinement manifestés. When the child of God will be fully manifested. Amen. Nous attendons la manifestation des fils. We are waiting for the manifestation of the Son. Qui devait arriver à la descente de la nuée. Which was supposed to come. The coming of the cloud. Quand la nuée descend, c'est la manifestation des enfants de Dieu. The manifestation of the Son. Parce que c'est la plénitude du temps. Because it's the fullness of time. Et cette robe de la nuée. That robe, the cloud. Est revenue. Has come. Et Dieu nous a adoptés. And God has adopted. Donc l'adoption, c'est la remise du pouvoir. Mais the adoption is the giving of power. C'est-à-dire que le pouvoir que Jésus avait. That means the power that Jesus had. Amen. Si vous pouvez parler à la tempête, if you could speak to the storm, nous pouvons aussi le faire. We can do it as well. Si vous pouvez chasser le démon de la maladie,
chasse au devil. Nous pouvons aussi faire. Si tu peux prononcer la parole contre un figuier, if you could speak a word against a fig tree, nous pouvons aussi le faire. We can do it. Moïse même qui était sous les seins des animaux, Moses himself who was under animal blood, il guérissait les gens. Was healing people. Qu'en est-il de nous? What about us? La vérité, les femmes nous disent, quand la puissance de Dieu ira de l'avant, when the power of God will go forward, alléluia, amen, et retirera à Satan and get from Satan tous les pouvoirs là. La suite de l'homme. Ça dit, à la descente de l'univers, le diable n'a aucun pouvoir. Devil has no power. Parce que les fils de Dieu sont manifestés. Because the sons of God are manifested. Alors maintenant là, now, nous sommes maintenant conscients de notre pouvoir. We are, we are conscious of our power. C'est là que nous comprenons que le diable est devenu comme un boa qui a avalé un animal. The devil is come as a boa, a snake. C'est-à-dire, quand vous approchez, when you approach it, il fait des grimaces, mais il ne peut pas bouger de là. Never move from depuis la croix, ici le diable connaissait ce que la rédemption allait produire pour nous. What the redemption will il n'allait même pas crucifier Jésus. Et quand la nuée est descendue, when the cloud has come down, tout le pouvoir lui a été retiré. All power was taken away. Dans les âges de l'Église, il y avait quatre êtres vivants. Quatre chevaux. In the church ages, there was four living. Amen. Donc, avec les quatre chevaux là, un cheval c'est une puissance. One horse is a power. Et vous allez remarquer que you will not. Quand il arrive à l'état de saut, la dernière cartouche qu'il avait c'était le cheval pâle. The last one was a pale horse. Et après le cheval pâle, after the horse, il n'a plus aucun cheval. There's no more horse. Aucun cheval. No more. Donc c'est à dire que il n'a plus de puissance. He has no more power. Et la puissance et le pouvoir nous a été redonné. How has been given back to us? Et maintenant là, and now, nous savons que le diable est dépourvu de pouvoir. We know that the devil has gone out. C'est-à-dire qu'il n'a rien à faire contre nous. That means he has nothing to do against us. Parce que nous avons reconnu notre position. Because we recognize our position. Amen. Amen. C'est-à-dire que maintenant, that means now, par l'autorité de la parole, by the authority of the word, nous allons we are prier. Pray. Encore une fois de plus pour Jess. Frère Branham dit que la plus grande puissance est l'amour. The great power is love. Frère Branham dit que l'amour peut tout conquérir. Can conquer everything. C'est-à-dire, il faut me dire que quand je prenais un enfant dans la ligne de prière, il dit, je plaçais Becky à la place de cet enfant. Donc je priais pour l'enfant comme si c'était ma propre fille. Et en ce moment-là, la chose a lieu. Il nous salit, il donnait l'amour. Donc en ce moment, l'amour de tout, de chaque personne ici doit tourner vers Jess. The love of everyone here had to be. Amen. Yes. Parce que c'est là because that nous affecte tous. Affects all of us. Voilà pourquoi that's why nous allons prier. We're going to pray. Amen. Amen. Nous allons aussi prier pour toute la famille. We also want to pray for the whole family. En remerciant Dieu pour la victoire. And thank you God for the victory. Les musiciens.
Surrender.